Luc Barnier. Luc Barnier, tu as monté combien de films avec Olivier ? Eh bien, quasiment tous. Et je trouve que un de ces films formidables, c'est vraiment Laissez les cheveux à Tokyo, dont il est question d'en faire une ressortie pour Cannes cette année. On est en train de tirer une nouvelle copie. Film vraiment qui... Il est mauvais, il veut pas parler sérieusement. Vous croyez que moi je... Vous croyez que c'est intéressant pour moi de filmer des mecs de dos? Non, mais il veut pas, moi j'ai... Laurent passe. Non, moi je peux pas jouer. Non, juste tu tiens ça, on dirait un appareil photo. Bah oui, c'est ça qui est bien. C'est bien. Un bout de bras, Non, je me suis dit, c'est sidérant, il a réussi à faire son interview à toute vitesse. Attention à toi. En fait, les trucs, oui, voilà. On est plutôt quelque chose. Va faire la guitare, là. Voilà. Et après, tu vois, ça c'est pareil. T'es tout ça, t'es en train de ranger tes trucs. Enfin, on va trouver l'action, etc. Parce que tu vois, t'es là. Ouais, enfin, en tout cas, t'es dans de l'action qui est là, qui est autour de ça. Et ensuite. Et puis après, je sais pas si tout le monde retourne à la maison. C'est fou, tu vois. Et là, faut vraiment que tu te... Ah bon. Et là, tu es éclaté. Oh putain, c'est déchiré, hein. Voilà, alors je m'en doutais, mais t'as fait ça comment? C'est hyper fragile. Ouais, mais t'as fait comment? T'as fait ça en pliant, en dessin? Je sais pas. Ouais, galère, je sais pas ce que je vais faire. Voilà, tac, et là on reste fixe, et nous à ce moment-là, voilà, oui, entre temps, oui, tu t'es avancé, quoi. On sera déjà un peu avancé, voilà. Et après on reste, oui, et après on reste sur notre lit comme ça. Voilà. Of course. Well, because you know she pushes drugs on shootings. She makes extra money like that. I had this problem 2 times already with her. Smack. But I don't do smack. I don't do drugs. It's nothing like that. Once on a film we did together, there was this actress.
tourne. 18 sur 2 première. Actually, I did modeling for a year before that. So after the recent contact, I was kind of known to the public, and directors just started to hire me. But you wanted to act, or just cinema? I wanted it anything. Yeah. But you wanted to be an actress, or you like movies? You like the idea of being. Actually, I liked being a model, but then I kind of ran out of jobs because I did a lot of commercials, but then they don't repeat hiring you. If I did a food commercial for one company, and they won't hire you for the other. So I was running out of work, and I just enjoyed that kind of work, and I had to move on and do something else. To understand what I didn't understand before. It was the very beginning, really. Even now, I think I'm still at the very beginning part. I still don't really know. But I'm exploring. And that, what he required from me, from acting, is something I've never done before in my career. It's something really that comes from the heart and not the expressions. Because I always thought acting was show the audience how you feel. If you're peaceful, you're like, if you're happy, you laugh. You know, I didn't know, it's just sometimes the eyes or just what movement from the body can tell how you're feeling inside. And from then on, I realized that if I use my heart, if I really felt those emotions truly, truthfully, it will show on my face without having to try and hide it. And I mean, it's fun working with Jackie too. It's completely different. But you feel protected, there's such a big touch of movies, they make you feel like you're a big star, and... To go from, you know, more serious films to more popular films. Right, because I don't think about the consequences, I just go for it. But can you tell me a little about the evolution of your work with Wong Kar-wai, because now you're making three films. Yeah. So do you have a feeling that it's a relationship that, you know, with the time you go? That's a hard question, because I think sometimes when a director, I don't really know the reason why they cast certain people to play certain roles, but obviously that, you know, it's a good combination that he helps me and I try to deliver what he wants in the film. And I think, you know, and having worked on his first one, we kind of grew up together, because it's been about 6 years since As Days Go By was made. So, you know, we kind of took a step forward together, and that's a nice feeling. On s'authentifie, hein, que c'est du cinéma. You know, Maggie, that's a new film that they made. Ah, voilà. Tu peux le faire là, ça, déjà. Maggie, you know, that's a new film that they made. No, it's not new. It's 20 years ago. Voilà, 25 years ago, in fact. Reste encore un peu. Ouais, c'est pas mal. It's a new film that they made. No, it's not new. It's 20 years ago. 25 years ago, remember? Voilà, that's fast. Et là, tu dis quelque chose. Tu dis non, it's new. Pas devant. But no, it's new. Well, no, it's early work. You see, juste une chose qui est dommage. Voilà, comme ça, c'est bien. Voilà, une chose qui est dommage, c'est que Jacques, là, dans ces cas-là, il lui parle toujours. On ne renie pas ton passé. Je n'arrive jamais à le voir aussi, Jacques. Manquerait plus que ça. Jusqu'à là, maintenant, c'est un nouveau personnage aussi. Oui. Il faudrait qu'il y ait la deuxième récap. Voilà. Bah dans ce cas, oui, mais enfin. C'est normal s'il y a un mouvement qui croise et qui se retourne vers elle, toi.
Parce que là, parce que là, ça s'organise assez bien, quand même. Ouais, mais si tu le décales, non, le passage de Maggie entre les deux répliques de Jacques, je suis sûr que ça marche aussi, non? Non, mais parce que Nathalie peut s'avancer un tout petit peu plus tôt, alors. Non, non, mais... Oui, ah, ouais. Ah, oui. S'il s'adresse à Maggie... Peut-être que dans, ici, moi, dans ce cas-là, Maggie peut venir ici. Voilà, faut qu'elle bouge pendant... Ok, Maggie. Yes. You have to first move from there to here, and then go away during the conversation. Okay. Because otherwise they're always turning their back to the camera. So okay. Maybe let's go just once a week. Go through this again. Oh là là, vous avez vu ça, c'est vu. Et c'est la vie, c'est la vie du film. Oui, mais je pense que si tu vas plus là. Ah, mais j'y suis, mais je peux. Mon maximum, il est là. Voilà, parce que la caméra, elle touche. Oui. Je suis là. Ah, je suis toujours en maximum. Je suis contre. C'était mieux la fois d'avant. Sur l'enchaînement, si tu veux. Essayons, peut-être on peut. Ou alors il faut juste que Jacques, à un moment, se détourne. Oui, regarde, jette un coup d'œil à Nathalie et puis à Maggie. Oui, mais il ne faut pas que tu sois trop tourné par là. Quoi. En fait, c'est ça tout le problème, c'est que tu ne sois pas de dos. Non, mais. Voilà, toi, tu tournes un peu. Oui, mais c'est bien, voilà. Si tu lui parles, c'est évident que tu as tourné, mais oui. Tu touches un coup d'œil à Nathalie en tenir, ça suffit à ce moment-là. Bon, non, mais toi, tu lui parles aussi. Ok, bon, on va essayer. Allez. Marcus, alors qu'est-ce qu'il fait Marcus? Désolé. Salut, bah quoi, il n'est pas encore là? Non? Ah bon? Je sais pas, il s'est engueulé avec René, donc à mon avis, il est encore en train de s'engueuler avec René, il va pas arriver tout de suite. Oh. Roland et Maurice sont là. Ouais. Vous voulez boire quelque chose? Ah, you want to drink something? Just whatever. Whisky. Whisky. Oh, bien, je vais pas, je vais s'en occuper. Oh, salut, oh là là, vous êtes en train de regarder ça? Bon, oui. Quoi? Ouais. Ah, c'est Maggie, c'est l'actrice du film. Hello. Nice to meet you. Hello. How are you? Hi. Hi. How are you? I'm Jessica. You know, Maggie. That's a new documentary that they made. What do you mean new? No, it's 20 years old. No, 25 years old. Oh, what? It's new, it's modern, it's no, new, it's good. No, it's an early work, you see. Bon, arrêtez, c'est vachement bien. It's very good piece. We are much better. Judge right? That. What? No, it's good. Hey, Maggie. Thank you. On veut pas qu'on dise qu'on est meilleur. Il semble que c'est quand même l'essentiel. Et il n'y avait rien. Bravo, Stéphane. It's
a new documentary they made. It was 20 years ago. No, 25 years ago. That's early work. It's very fancy. We are much, much better right now. It goes much more than you know, they're laughing because they think it's not a good film, but I think it's a real good film. I'm not joking. Thank you. Jacques et Maurice, c'est quoi votre rôle dans le film d'Olivier Assayas, Sir Navet? Nous jouons des personnages attachants. Attachés. Oui, très bon attachés à leur passé. Voilà, en tout cas, voilà. Puisqu'ils sont des gens de cinéma qui ont pris leur œuvre de documentariste au sérieux. Qui regardent, comme ça, 25 ans après, qui ce qu'ils ont fait. Sur le lieu de leur crime. C'est un film militant, évidemment. Jacques, t'es plus directement un réalisateur ou un scénariste dans cette histoire? Plutôt réalisateur, tu vois. Mais... Faites votre travail, jeune homme. Et réalisateur, mais en même temps, c'est un peu à vous de me dire si... Enfin, quel réalisateur on est quand on est un documentariste, c'est ça? C'est une bonne question, je suis d'accord, c'est une bonne question. Ouais, que j'ai pas à me poser dans le film parce que... Je suis incapable de répondre personnellement, alors vous allez m'aider. Tu as remarqué quand même que moi je porte mon nom, donc oui. Je suis vraiment plus près de ce que je fais. Donc moi je suis naturellement journaliste dans cette histoire. Ouais. Toi c'est un peu plus compliqué. Ouais. Ouais. Moi je suis un mari aussi dans cette histoire, toi tu... Ah, je suis une femme moi, ouais. Enfin une compagne. Ouais. Oui, qui me dépasse de trois têtes, mais... Voilà, qu'est-ce qu'on peut lui dire de plus à celui-là, hein? Enfin, je crois qu'il faut que nos rôles prennent corps sur le tournage. Voilà, voilà, voilà. C'est votre première journée. Oui. C'est notre première journée, et on espère se voir un peu plus de textes au fil du jour, tu vois. C'est une frustration. Terrible, terrible, terrible. D'ailleurs, on a déjà un peu gagné par rapport à un petit... Voilà. C'est bien, plutôt, là. Ça nous permet de nous exprimer. J'aime bien réfléchir et travailler comme ça sur un rôle assez... Mais c'est sympathique que tu t'intéresses au second rôle de ce oui. film, tu vois. Oui. Et second, c'est sympathique. C'est assez courageux de ta part. Je suis d'accord. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Ça, c'est cool. Ça, c'est une vieille habitude de militant de dire merci beaucoup pour clore la discussion, l'entretien. Ou bien pour la relancer sur un autre terrain, quoi. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moi, je suis très, très content, voilà. Je devrais travailler en ce moment et je suis là à faire l'imbécile. Avelin, collègue. Bonjour. Vous vous appelez comment? Bernard. Dans le film ou dans... Non, dans la vie. Bernard Missile. Et vous jouez quel rôle? Marcus. Qui c'est Marcus? Le chef opérateur. Ah non, c'est pour la télé. Ça se voit pas, non? Oui. Autre chose? Quoi d'autre? Faut que tu te dis si ça te plaît, si ce rôle te convient, si déjà tu... Je sais pas, oui, ça me réchira. Lui, il s'en fout que tu parles ou que tu parles pas, il fait, tu vois, je veux dire, ouais. De toute manière, ça sera, il en sortira quelque chose. Il sort dans Warhol, oui. Voilà, c'était un côté work in process. On ne va pas s'endormir. Non, non, on ne fait plus que ça. Tu as vu que David Bowie fait le rôle de Andy Warhol dans un film? Oui, ça m'a un peu inquiété. Eh bien, écoute, j'ai pas vu des images, mais j'ai vu la tronche. Mm-hmm. Étonnant. La perruque. Ou la perruque, voilà. Voilà. Ok, bon alors là on voit le truc au fur et à mesure. Donc là, tu es en train de te resservir. Et non, éventuellement tu t'en proposes à Maggie qui en veut. Donc vas-y, on part. Et moi je descends sur le plat. Oui, t'es sur le. Oui, t'es voilà. Tu passes sur le plat assez vite. Voilà, là, voilà, voilà, tac. Et c'est là où j'arrive. Tac. Tac. Voilà. Et là, après tu sers de l'autre côté. Voilà. Et à ce moment-là. Voilà. Et en fait, Jessica, tu es en train de parler à Maggie de. Ou bien en avant, ou bien comme ça. Il faut que. Yo, speed. When the shot starts, it's, you know.
nothing special happened. You have a discussion together. It can be about a snowstorm in New York or whatever. You can tell me. Just came back from New York. Yeah. On n'entendait rien du tout. Jessica, tu le sorcière. Oui, voilà. Non, je suis vraiment dans une robe et une perruque. Alors on s'arrête. Oui. Voilà. En gros, j'arrive ici quand Bernard sort. Voilà. Donc, tu sors déjà à gauche. Voilà, c'est le moment donc nous on traverse. Voilà. Et ensuite, là. Je vais trouver la jambe. Tout petit peu sur ta droite. Très fort. Et voilà. Que tu sois tourné assez comme ça, un profil. Très bien. Voilà. Et il faudrait, voilà. Et là tu traverses le chemin. Et là on est sur les cigares. Un moment. Et là on passe. Sur Nathalie. Sur là, etc. Et là, tout de suite, on repasse sur. En fait, je pense que c'est plutôt en passant là. Il me semble qu'il faut prendre l'huile là, dans son mouvement. Moi, je peux commencer à la prendre. Tu le peux, oui. On peut le dire comme ça. Avant. Ouais, c'est ça. C'est passé comme ça. Il faut juste que Bull se lève sur sa réplique. Voilà. C'est pas la peine d'aller chercher Bull, parce qu'en fait on est sur Bernard, et en fait Bull s'est levé et c'est elle qui nous entraîne. Parce que nous ça nous permet de suivre le truc, absolument, parce que dès que tu attends la fois, voilà, c'est à dire que pour ça t'inquiète pas, il va tous les commentaires, j'ai aucun problème. Oui, ok. Mais bon, c'est moins voilà. Bien. Voilà, c'est ça, il y a la limite. Tu vois, toi, tu te lèves à peu près à ce moment-là. Oui, on va voir. Hein. Mais en fait, ta réaction, elle est sur Nathalie. Tu vois, elle est sur Nathalie, donc en fait, c'est... Donc, moi, je fais... Ouais, c'est un peu joli, quoi. C'est ça qui m'embête. Ça t'inquiète pas, il va tout seul au bout de mon montage. Bon, c'est quand même moins bien que feuillade. Voilà, et là, t'as répondu. Oui, t'en as voulu. Donc, attends sa réplique à elle, alors. Ah non, mais je sais pas. Oui, je m'en fiche. Non, mais parce que normalement, ma réplique, tu veux que je la dise là. Mais là elle est en mouvement. J'en sais mieux qu'elle soit en mouvement. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Attends, on revoit alors. Juste ça. Eric. Ouais. C'est un peu joli, quoi. C'est ça qui l'emmène. Ouais, c'est quand même moins bien que Feuillade. Mais arrêtez là, avec Feuillade, c'est chiant, Feuillade. Non, après, je sais pas, peut-être c'est moi qui délise. T'as vu, les vampires? Oui, j'ai vu, enfin, j'ai vu deux épisodes. Heureusement qu'il y avait l'avance accélérée, parce que... De province. Là, non, c'était sur... Là. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il me filme. C'était une photo.
Bon alors, bon, alors on vient de voir le film de Pascal Ferrand. Pascal Ferrand. Ah, qui est quand même grandiose. Vraiment, c'est rare. Parce qu'il est quand même plus stylé. Oh là là. C'est une façon de réflexe. C'est quoi? C'est un. Toi, t'es bouleversé comme ça au cinéma. Non, mais c'est quoi, c'est un... Oui, parce que tu t'es identifié à ta vraie jeunesse, à ton vrai âge, toi. Catherine Corsini, elle a refait un film cette année. Qui? Catherine Corsini. Je crois pas, moi, je sais qu'elle avait un projet de film, mais que ça avait foiré. Sur les âmes. Qu'est-ce que tu fais? Mais je sais pas comment. Comment il va être le rôle? Maurice Ponce. Pas de grand plan, pas de grand plan. Parlez-moi de votre vocation. Pascal, parlez-moi de votre vocation. Enfin, je ne peux pas parler d'après un rendez-vous. Alors, c'est vraiment un film. Maurice, un jour, il s'est dit, je serai écrivain, il est devenu écrivain. La vocation, c'est vrai, il y a un peu. Je me méfie, enfin, je sens qu'il y a un truc, un problème. Et il me dit... Il revient me voir. Espionne, mais regarde, c'est une espionne. Il revient me voir. Je l'aime. Non, j'avais. Je m'étais dit, est-ce que je lui donne le scénario ou je lui donne qu'une scène? Puis je me dis, comme il va partir de moi, je vais quand même lui donner le scénario. Mm-hmm. En me méfiant, en sentant qu'il y avait un truc tellement. J'ai lui anti. Michel Marie. Mais c'est quoi ça? Un mot, s'il vous plaît. Je lui avais expliqué un peu. Ah, il fait comme les politiciens, il répond pas. À demain. Enfin, je passe chez toi après, mais tu ne seras pas. J'ai 24 ans. On m'a expliqué qu'il faut que je descende à la rue Monge. Laurent Perrin. Mais non, mais moi je connais par cœur ce café. Tu vas où? Je vais au boulevard du Pôle Royal. Je peux pas. Viens, on y va, c'est là. Bien sûr. Je t'emmène. Vous mangez les filles ou... Demain, moi je mange. J'emmène mademoiselle au boulevard du Pôle Royal. Eh quoi? Laurinou, tu viens demain alors ou pas? C'est tout pour les jolies dans ta caméra. And so is a nice girl. Oh, maybe tonight, no? I know she likes girls, but it's no big deal, right? The big deal is she enjoys making troubles. You know, she's like all the junkies. They all do. Proselytisme. What's the English word? I think it's the same word. I don't use that word very much. But I don't think she's a junkie anymore. C'est celle que t'as, j'en ai marre, c'est la guerre. Vas-y. Là, c'est pas faux. Attends, parce que j'en profite pour activer. Moi, je pense que c'est celle-là. Prends une rate. Non, mais ça bloque. Moi, je suis très. Non, mais Luc Barnier. Qu'est-ce que tu préfères faire? Tu préfères jouer au ping-pong avec Olivia Sayas ou monter ses films? Mais je pense qu'il joue aussi bien qu'il le tourne. On n'en tirera rien, hein. Non. Ah non, je crois pas. Ah, t'as pas vu t'as regardé le film de Bill, non? Le Loin des Barbares. Oui. Qui échappait à la caméra, qui essayait désespérément de le rattraper. Moi, j'aime pas ça. T'avais un plan génial dans Loin des Barbares où tu t'extrais du cadre. Non, mais Laurent, oui. Ping-pong, je ne sais pas. Ah, William, qu'est-ce que tu as fait alors? Oh, je sais pas, on va voir ce qui en restera. C'est pas ce que je dis qui compte, c'est ce qu'il en reste. Il n'en reste jamais rien, je peux te dire. Non, j'ai dit beaucoup de bien. J'ai dit qu'on pouvait faire des films en digital qu'avec des metteurs en scène intelligents. Ah, ça, c'est pas faux. Et des productions brillantes. Voilà. Oui, absolument. Évidemment. Fast. Fast. Trop, même. Non, parce que, Laurent, il y a une chose que je voulais te dire, quand même, oui. C'est très important, c'est qu'on a le plaisir d'être le premier film en SRD d'Ima Productions, qui pour Olivier est une grande victoire. Qu'est-ce que c'est, SRD? Ah ben, demande à William Flageolet, fais-nous une définition du SRD. Oui, SRD, c'est comme pour les disques, le CD, ce qu'est le CD aux 33 tours. Donc on peut penser que l'ensemble de la production cinématographique française est en 33 tours, actuellement. Et nous, nous sommes en CD. C'est un progrès quand même non négligeable. Vous comprenez? Ah oui, je t'ai fait un volet. Hein. Oui, oui. Alors, on est un gros film. Tu veux monter, là? Là, ça y est. On est un gros film. Moi, j'attends la question de François Figuelmine sur mais pourquoi le SRB? Pourquoi? Laurent, ce qui m'inquiète là, c'est que je suppose que cette séquence va être comme dans Buisson Ardent, la séquence du tennis. J'ai l'impression que ça va être utilisé de la même manière, et je trouve ça méchant.